qui ressemble à son père. Nous voici au nord de l'Acadie. Une péninsule se dresse dans la baie des Chaleurs qui la sépare du Québec. Nous sommes face à l'Atlantique sur les côtes du Nouveau-Brunswick à l'île Lamèque. Cette île, qui est un ancien territoire Mi'kmaq maintenant peuplé presque entièrement d'Acadiens, est accessible grâce à deux ponts. L'un reliant l'île à la terre ferme depuis 1959 et un autre pont la reliant à l'île Miscou depuis 1996. Sur une superficie de 150 km², l'île Lamèque est recouverte de graviers arides et de tourbières. On y retrouve, malgré tout, près de 300 bateaux de pêche pour 6810 habitants. Cependant, un exil s'est amorcé depuis la diminution de la ressource halieutique et l'imposition consécutive de quotas. Aujourd'hui, la majorité des crabiers, 76 bateaux semi-hauturiers, partent de la péninsule acadienne, soit de Lamèque-Chipagan et Caraquet. Chacun de ces bateaux vaut environ 1,5 million de dollars, sans compter le prix de la licence de pêche. Un crabier peut emporter 150 casiers tels qu'autorisés par la loi canadienne des pêches et près de 20 km de câbles. Les aéroglisseurs brise-glace s'affairent à ouvrir le port. En 2006, le Comité des glaces interprovinciales a ouvert la saison du crabe le 2 mai. Des anciens bateaux, comme celui-ci, sont encore en service. Ce Gloucester, appartenant au capitaine Levi Noel, fut un des premiers bateaux de la flottille à prendre le large en quête de crabes dans le golfe Saint-Laurent depuis 1966. De la fonte des glaces à la mi-juillet, le capitaine part avec 5 hommes de pont de 1 à 2 journées, 2 ou 3 fois par semaine. Le crabe, jadis dédaigné, est maintenant devenu le principal moteur économique des pêcheries acadiennes. Ce sont les Japonais qui ont déclenché cet engouement, car ils apprécient beaucoup le crabe des neiges, appelé en France crabe araignée. Puis les Américains, les Européens et les Canadiens ont emboîté le pas. Pour sauvegarder l'espèce, les femelles, génétiquement 2 fois plus petites, sont remises immédiatement à l'eau. On doit manipuler le crabe avec grand soin. À l'usine de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, le produit doit être impeccable avant d'être acheminé vers les marchés étrangers, notamment le Japon. La saison étant relativement courte, on y travaille jour et nuit. C'est ainsi que tous, comme le capitaine, ressentent la fatigue des nuits de sommeil écourtées. Coming up.
j'ai commencé sur le pont. J'ai vu que, comment ça se passait. J'ai vu que ça se... Tu sais, moi, j'ai tout le temps eu pour m'en dire, si ça se fait par quelqu'un, il y a des maudites bonnes chances que je suis capable de le faire. C'est sûr qu'une femme dans la pêche, là, pour eux autres, là, j'étais dans leur genre. J'avais fait ma liste là, des pêcheurs là, qui pensaient peut-être vendre. Là. J'ai dit, il n'y en a pas qui va vendre à une femme. C'est pas vrai. Mais, dans tout ça, mon frère, qui est avocat, il a dit, non, inquiète-toi pas avec celui-là, je suis sûre que ça va y aller. Puis comme de fait, ça y était. Parce que, de un, ce même monsieur-là, il avait commencé sa pêche avec mon père. Ah, ben j'ai mon chapelet d'accroché, là. Puis c'est mes je vous salue, Marie. Moi, mon père, là, il disait tout le temps que c'était la Sainte Vierge qu'il avait gardée. Ça fait... Moi, là, il y a des nuits entières que j'ai récité des chapelets après chapelet, après chapelet, après chapelet. Là, je pensais à papa, là, puis je me disais, là, hey, mon Dieu, maman à terre, comment est-ce qu'elle pouvait arriver? Parce que là, nous autres, on peut encore communiquer, tu sais. Mais eux autres, là, ça allait à la mer, là. Quand est-ce ça allait revenir, si ça revenait? On entendait sur la radio, hey, Gloucester 36, où est-ce que t'es, Léonard? Ah, t'as perdu dans la mer, oh mon Dieu, là, hey, Seigneur. Ben là, nous autres, on était à la maison, on entendait ça, là. C'était difficile, là. T'sais, ma mère avec les enfants, là, c'était toutes que des femmes courageuses pour accepter qu'ils repartaient de nouveau en plus. Là. La Mecque, là, quand on recule dans le temps, là, c'était. Ça se passait sur les quais. Rappelons-nous que lorsque Jacques Cartier est arrivé à la pointe de Miscou en 1534, il a donné à cette pointe-là le nom de Cap d'Espérance. Parce qu'il cherchait, comme vous le savez, le passage vers l'Asie. Là. Quand il est arrivé là, bien, il pensait cet grand espace entre la Gaspésie puis ici, la péninsule acadienne, que c'était encore là, cette espèce de route maritime qui l'amènerait vers la richesse, vers les épices, vers l'or, etc. Et c'est pour ça qu'il a donné... Cap de l'espérance, c'est parce que c'était l'espoir qu'il est, et ça s'est pas fait. De 1635 jusqu'à 1755, il y a eu une pêche, mais c'était une pêche française qui se faisait le long des côtes, à Gaspésie et ici. Et en 1755, ça a été la déportation, où là, ils nous ont ramassés avec l'intention de nous détruire. C'était un génocide qui n'était pas celui de la mitraillette là, à l'époque, là, mais c'était une autre façon de nous exterminer, qui était celle de nous éparpiller un peu tout le long de la côte de l'Amérique du Nord. Puis on était à ce moment-là dans de très belles terres, et c'est pour ça qu'ils nous ont déportés. Là. C'est parce qu'on avait parmi les meilleures terres, et les Acadiens avaient le nombre de têtes de bêtes par habitant le plus important sur la planète à l'époque, qui indiquait notre niveau de richesse, de bien-être, etc. Après la déportation, on est tranquillement revenu. On ne pouvait plus revenir sur nos terres riches et belles. Et la seule façon pour nous de survivre, c'était le long des côtes, souvent arides et très difficiles. Et ça a été finalement pendant les deux derniers siècles où là, on s'est rebâti une histoire des pêches. Mais le premier siècle a été vraiment où on a agi plus comme des esclaves, comme vous le savez probablement tous dans votre histoire que vous avez appris.
où on était davantage les esclaves économiques des Jersiais, des compagnies des îles anglo-normandes qui sont venues s'installer en Gaspésie, la péninsule, où ce que c'est que nos grands-pères pêchaient pour eux. On n'avait pas de bateau, il n'y a rien qui nous appartenait. On pêchait pour eux, on achetait à leur magasin, etc. Probablement, vos pères et vos grands-pères vous ont raconté ces histoires-là. Allez, reviens, les mots. T'es pas le mot. Ils nous payaient, il faudrait acheter à crédit, à marquer, là. Alors, ils nous donnaient pas notre argent. Ça fait tant que tu avais fini l'automne, ben, il fallait encore que tu continuais à marquer pour sur l'argent qui te restait. C'était de même. Tant que tu n'avais plus d'argent, il fallait que tu reprenais à acheter à crédit pour le printemps d'emprunt. Il fallait commencer à ramasser. Quand on pouvait avoir un crédit, là, on ramassait. Si on pouvait avoir un sac de farine ou un sac de sucre ou n'importe tout ce qu'on pouvait avoir. On montait ça dans le grenier. Ça, c'était notre réserve de l'hiver. Parce qu'on était certain qu'à l'automne, soit qu'on clairait 10 piastres ou qu'on était square. J'ai eu ce bateau-là, là, 5 ans sur des robins, là. Puis je roulais encore mon bicycle à pédale pour y aller au quai puis m'en aller chez nous. Puis quand j'y retourne, j'ai été livré à la coopérative après qu'ils ont été barrés, là. Ben, je m'achetais un truck, un camion, dans l'automne. J'avais de l'argent pour payer. Grâce à la coopérative? Oui, grâce à la coopérative, parce qu'ils nous payaient. À toutes les deux semaines, on avait notre argent. Puis il y avait 10 000 livres de plus à la coopérative qu'il y avait chez Robin. 10 000 livres de pesanteur. Fait nous volions 10 000 livres par semaine. 10 000 livres, c'était tout du clair, ça. Ça fait que chaque culsa, on pêchait à peu près 22, 23, 25 semaines par été. Chaque culsa, comment ça fait? Pêchait pour rien. Pour rien, 7-8 cents, la morue, 3 cents. Au début, c'était 3 cents, la livre. 3 cents, on a pêché. Quand on pêchait sur la côte, on n'avait pas une cent la livre pour. Ça, c'était les Robins? Non. Toutes les compagnies. Il y avait Azal-Chesson, les Robins, Smoesky, la Nationale, Conor Rodder. Toutes ces compagnies-là, payons pas plus une que l'autre, puis ça vient faire rien voir, c'est pareil. Mon père est devenu un acharné des coopératives, justement suite, après avoir su comment ça s'était passé, comment de tout l'esclavage que ces compagnies-là, Loguet, les Windsor, Robin, les Alexandre, les Flowing, toutes ces compagnies-là qui venaient exploiter les gens ici, puis souvent, frauduleusement, ils fonctionnaient avec des systèmes de jetons. Puis quand ces gens-là s'enrichissaient aux dépens de ces gens-là, puis ils les gardaient toujours dans l'extrême pauvreté. Puis souvent, lorsqu'ils ne pouvaient plus payer, bien, ils saisissaient la propriété. À chaque année, chaque pêcheur a un compte au magasin de la compagnie, et durant l'été, il remet sa morue, surtout au mois de septembre et octobre, il remet sa morue à la compagnie qui inscrit une marge de crédit. Autrement dit, dans son grand livre de compte, la compagnie lui dit « La morue que vous nous avez livrée cette année est équivalente à 25 livres sterling. » Et en contrepartie, durant l'hiver, le pêcheur et sa famille peuvent aller au magasin de la compagnie et prendre des marchandises. Et ce qui se produit, c'est que d'une année à l'autre, cette marge de crédit-là va conduire à un endettement progressif du pêcheur. Ceci dit, il est effectivement arrivé à certains moments donnés que les compagnies de pêche ont pu saisir des terres de pêcheurs qui étaient endettés, mais qui en contrepartie n'étaient pas suffisamment de bons producteurs pour qu'elle ait intérêt à les retenir auprès d'elle. Nous sommes présentement à l'extrémité nord-est de l'île Miscou, un territoire qui était déjà fréquenté par les Mi'kmaq. Les Mi'kmaq, une nation amérindienne qui occupe le territoire depuis au-delà de 10 000 ans et qui précède, bien sûr, l'arrivée et les visites des premiers Européens.
Selon l'historiographie canadienne, les premiers Européens, disons qu'on n'est pas certain si c'est vraiment Jacques Cartier qui est le premier Européen à passer ici en 1534, ou il y a d'autres hypothèses qui disent que ce seraient les Basques qui chassaient la baleine. On a été, enfin, pas les premiers à venir, mais ceux qui sont restés le plus longtemps, avant la colonisation. Mais avant la colonisation, on a été les seuls à travailler pacifiquement et tranquillement avec les autochtones, quoi, avec les Amérindiens. Il n'y a pas eu de problème, on a collaboré. Et d'ailleurs, les Basques, quand ils arrivaient ici, ils rencontraient les Mi'kmaq avec qui ils travaillaient régulièrement. Et ils disaient « Bonjour, ça va ?» Et les Mi'kmaq avaient retenu une phrase toute faite en basque. Et ils disaient « En basque, pas aussi bien que les Gurés, à Paysacobeto. » Et l'emplacement où on est actuellement devient un véritable carrefour des cultures en Amérique, puisque à chaque été, les Mi'kmaq viennent de l'intérieur des terres sur la côte pour leur pêche d'été. Les Européens, les Français, mais aussi des matelots basques, viennent avec leurs navires qu'ils laissent au large ici, débarquent avec leurs chaloupes pour venir faire la pêche. Les graves de Miscou ne sont pas aussi accueillantes que celles de Terre-Neuve, c'est-à-dire on n'a pas de galets de pierre favorables pour étendre la morue pour la faire sécher. Donc, on construisait des vineaux en bois. Miscou va quand même demeurer un lieu stratégique pour les pêches et ça jusqu'à la fin du milieu du 18e siècle. Depuis le début des temps, le métier de pêcheur, c'est un métier différent des autres métiers. Regarde en Europe, regarde partout où tu as des communautés de pêche, des bateaux, les gens aiment aller sur les quais. Alors, ça a toute une... de parler avec les pêcheurs parce qu'ils ont des histoires à raconter. Il y a tout un monde autour de ça. Et les pêcheurs acadiens sont comme tous les autres pêcheurs du monde. Nous, morts, ils rentrent ici, oui. Par le chanson, ici. Puis on place la boîte ici, là, okay. L'appât. On okay. Boîte l'appât ici, puis le mort rentre ici dedans. Après ça, il mange. Puis des fois, il sort par là, des fois, il prend pour sur l'autre bord. Quand il rentre sur l'autre bord, ben, là, il se trouve être pris sur l'autre bord. Puis ton helper, c'est qui, ça? Mon helper, ça, c'est ma fille. C'est ta fille? Oui. Oh, bon. Puis, une pêcheresse. Ah, ouais. Puis j'ai bien fier de ça qu'elle pêche avec moi. Marilyn, est-ce que tu aimes ça, de travailler sur la mer? Oui. Oui? Ça fait différent que sur la terre, là. Oui, pourquoi? Ben c'est en nature, tu travailles dans la nature, puis t'es pas tout le temps formé en dedans. Capitaine n'est pas trop difficile pour toi? Non. Tu dis pas trop? Non, pas en tout. Tu l'as pas sacré à l'eau encore? Si tu diras aujourd'hui, là, Denis, là, on va donner le double salaire pour aller travailler, je sais pas, n'importe quoi dans le bois. Non, on va dire merci. Parce que j'aime trop la pêche. C'est ma vie. La mer, c'est un miroir, un écho de vacances, et nos châteaux de sable, et nos jardins d'enfance. Et les fées de nos grands rêves bleus, et les ogres méchants qui hantaient tous nos jeux. C'est aussi l'avenir, tout de rose teinté, de ces enfants perdus que nous avons été. La mer fait de la foi pour nous flûte et tambour. Et silence et musique au creux de nos amours, et joyeux et tragique au jeu de tous les jours. L'inspecteur de pêche et océan Canada donnera le signal de départ dès le lever du jour.
C'est plus loin que la mer et plus loin que l'été. C'est un pays magique, au loin l'autre côté. Un pays qui m'appelle, au loin. Aussitôt le signal donné, 72 homardiers quittent à la file indienne les quais de Pigeon Hill. Au même moment, 155 autres homardiers quittent l'île Lamèque pour s'installer dans leur zone de pêche. Denis fera deux voyages pour placer ses 300 trappes. Les trappes, reliées par groupes de 7 appelés tangans, sont attachées par 60 brasses de corde. Tous ces efforts afin de capturer le Homarus americanus, communément appelé le homard d'Amérique. Il est un des plus anciens crustacés de la planète. Depuis la nuit des temps, le long de nos côtes, les homards s'accouplent dans un abri durant l'été. Quand la femelle vient de muer et que sa carapace est encore molle, le mâle la retourne alors sur le dos pour la féconder. 40 à l'eau! Une fois l'accouplement terminé, le mâle protège la femelle durant quelques jours, le temps que sa carapace durcisse. La femelle gardera le sperme du mâle jusqu'à un an et même plus. Elle peut pondre une dizaine de milliers d'œufs qui restent accrochés sous sa queue repliée. Nous allons enfin le voir, ce fameux homard, et savoir si la pêche a été bonne. Pouvez-vous imaginer que ce délicieux crustacé à 5 paires de pattes servait d'engrais au siècle dernier? Tout comme le crabe, il est devenu le choix des plus fins gourmets. L'autre, là, c'est pas fait, ça. Puis là, demain, là, qu'est-ce qu'on a pogné là, là? Moi, d'après moi, on peut en pogner jusqu'à 20-25 dans cette rate. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment bon. Parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu ça par ici. Ils vont mordre de même. Parce qu'il avait diminué, là. Là, cette année, je pense qu'on aura une belle saison. De la pluie et du beau temps à l'entour de l'île et de l'eau. Cependant que sur la côte, marée basse ou marée haute. Ici, c'est une femelle parce que c'est bien mou en dessous. Mmh. Et ici, c'est un mâle parce que c'est bien dur en dessous. Vois-tu, là? Là, ici, c'est bien dur. Et ici, c'est bien mou. Mmh. Ici, c'est... On appelle ça une raveuse parce qu'il y a des petits bébés. Mmh. On n'a pas tout dépêché. Il faut tout le temps qu'on les jette à l'eau. Parce que on va lécher à l'eau. On va lécher à l'eau suite. On forme la queue. On la jette à l'eau. Là, elle va aller prendre ses œufs, puis on va aller tout le monde. La chanson du cabestan, à l'entour de l'île et de l'eau. À l'entour de l'île et de l'eau. Pour célébrer la fin de la pêche au homard, Denis Savoie organise pour parents et amis une fête à son chalet, à deux pas du pont reliant la Mecque à Misco. J'ai deux semaines et demie jusqu'au 30. Après ça, je m'en vais aux études. Donc, tu ne veux pas faire que la pêche?
Non, faire d'autres choses. Et la petite acadienne, qu'est-ce qu'elle en pense? Ah non, c'est une Québécoise. Ah oui? Oui, Québécoise. C'est à s'y méprendre. Je suis en train de l'assimiler. Avec la pêche, pareil, mais j'ai pas le pied marin. Une cinquantaine de pêcheurs de Pigeon Hill laisseront la pêche pour trouver des emplois plus lucratifs dans l'Ouest canadien. Autour du feu de grève, c'est un sujet incontournable. Les gens de quatre bateaux, les gens de pigeonniers, les petites places côte à côte. C'est qu'ils veulent essayer d'avoir des zones protégées dans leurs petites places. Quand tu sors de la zone protégée, c'est qu'il y en a qui ont toujours pêché ailleurs que dans leur zone, que dans la zone, la petite zone de pigeonniers ou la petite zone de quatre bateaux. Ils ont toujours été pêchés où ils voulaient. Ça fait des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'années qu'ils pêchent là. Mais maintenant que la ressource est plus basse, ceux des... disant que le pêcheur de pigeonnier qui allait pêcher au large de Cap-Bateau, maintenant, ils ne veulent plus qu'il va, même si ça fait 20 ans qu'il pêche là, là. C'est toutes des petites places comme ça. C'est que la ressource, il y en a moins, puis il y a beaucoup plus de pêcheurs aussi. Puis ça peut être du monde qui se parlait, qui était des amis depuis 20 ans, puis ils ne veulent plus se parler, puis ça crée beaucoup de chicanes même dans les mêmes familles. Mm-hmm. C'est vraiment c'est des... Il y en a qui croient que c'est des stupidités, mais quand est-ce que tu penses que c'est pour vivre, ben c'est là que ça devient différent. T'sais. C'est ça. Il faut que tu fasses de l'argent quelque part. C'est pour survivre. Ouais. C'est vraiment ça, pour survivre, ouais. En réalité. Puis là, la ressource descend, puis là, il y a trop de bateaux pour la ressource qui reste. Fait, ça ne peut pas tenir le coup. Ben, une solution, il faudrait que le gouvernement ajouterait des permis pour en diminuer. D'en avoir moins sur les places de pêche. À place d'avoir 70 bateaux, on arrêterait 40-50 des licences. Là, ça pourrait... Hein? Comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce que la priorité? C'est ça. Il faudrait que le gouvernement ajouterait des licences pour les détruire. Qu'est-ce qu'elle ajouterait de détruire, Félix? Tu sais qu'est-ce que la solution de rechange? Tu as juste à dire que c'est ça. C'est ça. Les solutions, quand ils arrivent, ils vont ailleurs, travailler ailleurs. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Vous perdez votre jeunesse? C'est là qu'il y a beaucoup de monde, des pêcheurs qui vont entrer là, dans l'Ouest, travailler par là. Mon grand-père était un pêcheur avant, mais là, il était parti travailler dans l'Ouest. Mais il est là. Il est là! On a bon bout. Bien payé, bien nourri. Pas mal traité. Pour moi, l'assurance chômage ou le bien-être social, ça me fait changer de nom. Ça paraît mieux. Vous pourrez savoir. Ça fait que c'est pas bien d'amener l'assurance chômage. Quand tu es obligé de t'en aller de la péninsule acadienne, t'en aller loin comme en Alberta pour travailler, si tu prends la peine de décoller d'ici, c'est parce qu'il n'y avait plus rien. Hein? Quand tu arrives là-bas et tu commences à travailler, tu vois tes salaires, là, t'oublies la péninsule acadienne assez vite. Là. Tu vas travailler une semaine là-bas, là, tu vas faire 2000, 2007. Puis même, je connais du monde qui est soudeur, il fait 4007 par semaine. C'est quasiment 5000 piastres par semaine. Bonneville, en Alberta. On a travaillé 6 mois de temps là, 120 heures par jour, par semaine, 6 mois de temps sans arrêter. Bien, il y a 3 mois. Ça le disait, on a travaillé un an et demi dans 6 mois. Oui, oui, oui. De la mi-août à la mi-septembre, plus de 250 bateaux pêchent le hareng au large de Miscou. Quand il fait beau temps, Martin le pêcheur, depuis la nuit des temps, laisse derrière lui sa femme et ses enfants pour exercer son métier tout simplement. Il y a bien des façons de gagner sa vie, de braver la tempête et d'affronter le vent. Les pêcheurs de haut fond, le hareng vit en profondeur le jour et se rapproche de la surface la nuit, en compétition avec les baleines. Tout simplement,
tout simplement. Il va son chemin comme tous les humains, cherchant le bonheur. Martin le pêcheur, libre et vivant, tout simplement. Vamos a ir a Hanna Basta. Hein? Une vie bien remplie, est-ce que sans histoire, à sillonner la mer et fouiller l'océan, on n'en parlera pas aux nouvelles du soir, un simple fait divers, rien d'important. Lorsque viendra le temps de quitter le bateau, quand il aura bu son quota d'océan, il aura bien mérité le calme et le repos, là où il fait toujours beau, tout simplement. T'sais, malgré les nuances qu'on peut faire sur la crise qu'on a connue ces dernières années, moi je suis fier que c'est la première génération d'Acadiens depuis 1755 qui s'est enrichie de ce métier qui devait nous tenir dans l'esclavage plutôt que de nous libérer. Sauf que ce qui est important là-dedans, je pense, c'est de maintenir le cap au niveau de notre évolution historique, où les Acadiens, durant toute cette période-là, jusqu'aux années 90, ont continué à prendre le contrôle de leur pêcherie, devenir propriétaires de leurs bateaux et, dans les dernières années, devenir propriétaires des usines. Disons-nous qu'elle a été marquée par l'École des pêches, la création de l'École des pêches, pour faire de la pêche des pêcheurs d'une profession. Parce qu'avant ça, les pêcheurs n'étaient pas reconnus. Le pêcheur n'avait aucun statut de métier reconnu. L'École des pêches a formé des pêcheurs. Là, on s'est aperçu que pêcher, ça devenait une profession. T'as professionnalisé ton métier avec l'École des pêches. Puis après ça, les nouvelles technologies, le tout, c'était... Mais l'École des pêches n'a pas juste servi à la péninsule acadienne. Tu as eu du monde de l'Ordre de Nouveau-Brunswick, tu as eu du monde du Québec, tu as eu du monde des autres pays qui ont venu prendre des cours d'École des pêches. Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, puis moi j'étais pêcheur, puis il y a de mes enfants que j'aurais pas pu faire des pêcheurs avec, là. Puis dans mes ancêtres aussi, là. C'est un métier, tu l'as ou tu l'as pas. Quand j'ai pris le Rocabo en 77, je voulais pêcher le crabe. À 85 pieds, pêcher le crabe. Mais un vieux pêcheur, le mec, qui m'a dit, il était pas d'accord avec ça. Il a dit, toi, pêcher le crabe avec 85 pieds, ça va, tu vas assez avoir de misère à pogner tes ballons dans l'âge que tu prendras pas assez de crabe pour payer l'eau que tu vas boire. Caroline, j'ai arrêté de boire de l'eau. Les aïeux des pêcheurs français qui vinrent s'établir en Acadie avaient déjà cette cérémonie en honneur. En Acadie, cette cérémonie fut oubliée pour quelque temps. Et ce n'est qu'après la triste déportation de 1755 que nous retrouvons les nôtres pratiquer le métier de pêcheur. Car chassés de leurs terres fertiles, l'agriculture était presque impossible sur le long de ces côtes arides, et c'est vers la pêche qu'ils vont s'adonner. Il faut travailler ensemble, il faut travailler unis, il faut regarder pour le bien-être de toute la communauté. Puis je pense que c'est là, je pense qu'on va réussir quand les gens travaillent ensemble. Vous savez, tantôt, à l'entour de 7h moins quart, j'arrivais sur le quai, je dis, ça se peut-tu qu'il n'y aurait personne à Caraquette? J'ai dit à la bénédiction des bateaux. Regardez-moi la foule, regardez les gens qui sont sur la mer. Souhaite une bonne chance à nos pêcheurs qui vont aller en mer pour aller pêcher. Vous savez, hein, j'avais appris très jeune, il disait, faites une phrase avec 13 mots avec des P. Si t'es pauvre petit pêcheur, prends patience de prendre plusieurs petits poissons pour papa. Mais là, maintenant, prenez-les pour les employés d'usine, venez d'ouvrage de la région, vous souhaite un bon festival acadien et bonne bénédiction des bateaux. Merci. Thank you.
Ici à Caraquette, comme dans la plupart des villes et villages de la péninsule acadienne, la population est intimement liée à l'industrie de la pêche. Et je voudrais accueillir ceux et celles qui nous visitent et également les embarcations qui nous viennent de l'Amec, de la région de Chipagan et également de la région de Tracadie-Shayla. Aujourd'hui, cette bénédiction des bateaux se veut plus qu'une tradition folklorique que l'on inscrit au programme du festival. Bénir, ça vient d'un mot grec « baraka » qui veut dire « dire du bien ». La bénédiction des bateaux n'a rien de magique. Ce n'est pas ce qui dispense de la formation et de la prudence en mer pour arriver à bon port. C'est un signe que Dieu se réjouit de l'activité maritime. Il avait pris l'habitude. On aurait dit un enfant d'aller dire sa solitude à son bel ami du sud, à son vieil ami le vent. Il causait au vent du large du temps des vieilles saisons, des goélettes et des barges qui ont mené bien plus large du temps qu'il était garçon. Pierre à Jean-Louis n'aimait plus que le vent. Pierre à Jean-Louis savait parler au vent. Il avait pris l'habitude d'aller rôder sur les quais. Il promenait sa mère rude, sans j'en ai la certitude, sur le mât des chalutiers. Tous les hommes de la place ne s'en occupaient jamais, et les enfants en grimace qui ont toujours trop d'audace souvent de lui se moquaient. Pierre à Jean-Louis n'aimait plus que le vent. Savait parler au vent. Puis un beau matin, Jean-Hugues ne le vit plus arriver. On avait pris l'habitude de compter sur ce prélude pour commencer la journée. Le vieillard doux et fragile avait fui tout doucement. D'après la vieille Cécile, il avait mis cap sur l'île où il n'y a plus de vent. Pierre à Jean-Louis n'aimait plus que le vent. Pierre à Jean-Louis savait parler au vent. Pierre à Jean-Louis. La pêche à la palangre est une des plus anciennes méthodes pour pêcher la morue et le flétan. La palangre est une ligne de fond à laquelle sont attachées 300 lignes plus légères munies de gros hameçons. C'est celui-là qu'on va pêcher. C'est le préféré. Ouais, c'est un beau poisson. C'est un poisson qui est impressionnant. Ouais. Il peut en avoir 10 livres, 15 livres, il peut en avoir 300 livres, 400 livres. Il peut en avoir toutes les grosseurs. Mon père fait 40 ans qu'il pêche. Mon grand-père a pêché. Puis moi, ça fait 20 ans. Le flétan est le plus grand poisson plat du monde, son poids pouvant atteindre 300 kilos.
Il a les deux yeux situés sur le côté droit, le côté gauche étant aveugle. Il se nourrit uniquement de poissons. C'est en suivant la morue qu'il se fait prendre accidentellement. Une aubaine pour les pêcheurs de morue. Monsieur Chiasson est autorisé à faire une pêche dite sentinelle. Afin de vérifier les quotas, il lui est permis de garder ses prises. J'étais gardien de fort après que mon père a pris sa retraite. J'étais gardien de fort 6 ans, ici. Là. Ben oui, je suis née, moi, dans la maison de la light. Papa qui allumait la light. Papa, lui, il faisait vivre avec ça. Il travaillait dans le temps de la guerre. Puis là, ben, c'est mon frère qui a pris la relève de la maison de la light. Il y avait des goélettes dans ce temps-là. Des goélettes à voile, puis je m'en rappelle, le soir, ils mouillaient tout à cause du fort. Là. Il mouillait quand il faisait calme, il n'y avait pas de moteur dans ce temps-là, c'était tout des voiles. Quand il faisait trop calme, j'étais là encore l'eau, doit être là, puis il me l'a à la light, je faisais avec nous autres, tu sais, avec mon père. Moi, j'étais jeune dans ce temps-là. Les gars de Saint-Simon, les gars de Caraquette. Mais il y avait un bateau de Saint-Pierre-et-Miquelon qui mouillait, là, au large, ici, à 12 brasses, qui vendait du gin. Ah. On allait avoir chercher du gin, on emmenait ça pour 5 gallons. Mon père avait une cave dans la grange, lui, puis ça, c'était plein de 5 gallons de gin. Incroyable, pareil, dans ce temps-là. On avait ça pour 2 piastres, 5 gallons. Voilà. Parce qu'il faisait pitié, il couchait là. Mais quand on le voyait, il venait pas tous les soirs, mais quand il venait, quand on le voyait venir, puis il marchait vite sur le bord de côte, là, les autres, les enfants, se disaient, « Oh non, pas encore un autre petit! » On savait pourquoi qu'il venait. À ce, maintenant, les bateaux sont assez équipés. Ils sont tous équipés avec des radars, puis tout, ils n'ont plus besoin de phares. Ils savent tout ce qu'ils sont, ils n'ont pas besoin de garder dehors. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien. Là, ils se fiaient sur les forts. J'ai vu souvent, moi, des tempêtes ici, puis les bateaux arrivaient, là. Ça n'aurait pas été le fort, là, ils ne savaient pas où aller. Écoutez, mes amis, entendez-vous le vent qui hurle dans la nuit? Que c'en est énervant. Écoutez, mes amis, ce chalutier qui crie et la mer qui ricane sur les nids d'Orient. Lui, il y avait un homme d'équipage qui s'appelait Irénée Larocque. Il pêchait avec lui toute la saison, printemps à l'automne. Puis une fois fini, Silvio Noël lui a demandé pour aller au club. C'était au club? Au Haran. Au Haran, Silvio? Oui. Il a laissé son char sur le quai, la clé sur la valise en arrière, par le large. Puis c'est lui là, qui a fait naufrage au large de chez nous, là, le 23 novembre. Irénée était avec lui. Ils sont partis comme tous les équipages. Un beau matin, quand le soleil était dehors, la femme restait seule pour garder les enfants sages. Ne doutez pas qu'il reviendrait au port. Oh là là. Ma première journée que j'ai embarqué sur l'eau, c'était une tempête. Ça fait que j'avais eu l'expérience de quoi ce que c'était sur l'eau. Puis dans ce temps-là, on avait le Sylvain 1. C'était un petit bateau. Puis c'était comme une planche sur l'eau. Ça allait pas avec la mer. Écoutez, mes amis, entendez-vous le vent qui hurle dans la nuit, que c'en est énervant. Écoutez, mes amis, ce chalutier qui crie et la mer qui ricane sur le Lady Dorian. Il y a une nuit de mer quand qui nous ont pris d'eau d'arrière. Mon frère, lui, il s'appuyait après un bras, puis il s'appuyait de même. Puis
Puis moi, il y a des sortes dans la chambre. Moi, j'ai sauté dans la chambre. Les deux autres n'ont pas pogné une goutte d'eau en avant les autres. Puis tant ça t'est passé, cette mère-là, notre joie de l'encre a cassé. Elle est en drive. Ah, on a handé notre encre à boire. On a mis ça à la cape. Deux noyés dans cette tempête-là. Ah. On a pas reçu du beau temps, par exemple. Ah oui? Trempe comme des canards. Avez-vous eu peur, vous? Ben, tout le monde avait peur. Écoutez, mes amis, entendez-vous le vent qui hurle dans la nuit, que c'en est énervant. Écoutez, mes amis, ce chalutier qui crie et la mer qui ricane sur le Lady Doria. Mais moi, je me rappelle quand on était tout petit, on était une famille de 16 enfants. Puis mon père allait à la pêche. Puis quand il était parti à la pêche, des fois, il y avait des gros orages qui se levaient. Puis ma mère mettait des couvertes dans les fenêtres, puis elle nous faisait embarquer dans le lit. Montez toutes dans le lit, puis on prie pour votre père. Ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est que ma mère avait une foi qui nous a aidés, puis qui l'aidait à passer à travers ces épreuves-là quand mon père était à la pêche. Écoutez, mes amis, c'est la veuve qui crie à sa vie qui se fane sans le Lady Doria. Et c'est ainsi que les pêcheurs acadiens de l'île Lamech se sont ancrés dans l'histoire. Ils étaient venus des milles pour élire domicile, pêcheurs ou bien habitants. Il y a de l'avenir pour nos pêches parce que c'est une ressource renouvelable et elle est là pour toujours si on la gère bien. Il n'y a aucune raison pourquoi qu'on reprend pas le cours de l'histoire et qu'on n'en vit pas 400 autres belles dans les générations qui vont nous succéder. Il avait pris l'habitude, on aurait dit un enfant, d'aller dire sa solitude à son bel ami du sud, à son vieil ami le vent. Il causait au vent du large, du temps des vieilles saisons, des goélettes et des barges qui en menaient bien plus large, du temps qu'il était garçon.